Laurent Dubreuil était de retour sur l'anneau de glace Gaétan Boucher pour la dernière journée de compétition de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Et Guillaume, bon, Dubreuil avait l'appui de la foule, mais ça n'a pas été suffisant pour surpasser son rival américain. Laurent Dubreuil, qui s'était donné une chance hier avec sa deuxième place, de surpasser lors de la toute dernière course de la saison de 500 mètres le Japonais Morishige au premier rang du classement cumulatif de la Coupe du monde. Et aujourd'hui, cet après-midi, presque tout était en place pour ce scénario hollywoodien. Dubreuil s'élançait dans la dixième et dernière paire de cette course de 500 mètres devant une grosse foule bruyante. Et s'il l'avait emporté, il aurait du même coup remporté le championnat cumulatif. Sauf que le phénomène américain Jordan Stose avait d'autres plans. Comme hier, il a survolé cette course et j'ai envie de dire encore plus qu'hier parce qu'il a non seulement battu Dubreuil dans cette dernière vague, mais il a battu de loin tous les compétiteurs aux 500 mètres. C'est sa quatrième médaille d'or de cette compétition à Québec. Deux aux 500 mètres, une aux 1000 mètres, une aux 1500 mètres. Il aura été le roi de cette première Coupe du monde présentée à Québec en 32 ans. Et aujourd'hui, Dubreuil était satisfait malgré sa cinquième place, content d'être monté sur le podium hier. Et il reconnaissait tout simplement la supériorité de Jordan Stose. Je vous laisse l'écouter. Ouais, c'est incroyable. Il l'a fait la semaine passée aussi. C'est littéralement du jamais vu. Là, c'est le meilleur stretch de deux semaines qu'on a jamais vu en patin de vitesse, du moins dans l'époque moderne. Tombé malade, fait que j'avais plus ma main de jambe. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux. J'aurais aimé mieux être un dixième plus vite puis sur le podium, mais c'est le mieux que je pouvais faire aujourd'hui. J'ai tout donné. Ouais, ce qui est impressionnant chez Jordan Stose, c'est son âge, en 19 ans quand même. Absolument. Jordan Stose, qui on sans doute sera un des grands du patinage de vitesse. D'ailleurs, Laurent Dubreuil qui nous a dit plus tôt cette semaine, il est le meilleur patineur de tous les temps à en devenir. Et il l'a montré au public de Québec aujourd'hui. Ouais, et bon, chez les femmes, il faut souligner quand même la solide performance de Valérie Maltais aujourd'hui. Valérie Maltais a pris le 9e rang du départ groupé aujourd'hui. Comme ça, ça a l'air presque de rien. C'est pas si impressionnant, un 9e rang. Mais attention, elle était première au classement cumulatif de cette épreuve et aujourd'hui, elle défendait ce rang au dernier départ groupé de la saison. Ça a été une course très, très stratégique, presque un jeu d'échecs pour elle. Et elle a réussi donc à protéger son premier rang. Elle est championne du classement cumulatif de la Coupe du monde au départ groupé. Alors que c'était une patineuse courte piste. Elle a participé à 3 Jeux olympiques en courte piste. Elle a fait une transition en 2018 vers la longue piste. Et lorsque je lui ai parlé tout à l'heure, elle n'en revenait tout simplement pas d'être sacrée, oui, championne du classement cumulatif d'une distance. On l'écoute. Je l'ai dit avant la course, c'est comme il faudrait quasiment un miracle pour que j'en sorte vainqueur de ce classement-là. Puis... Mais je pense que mon background un peu de courte piste m'a aidé à, bon, à qui qu'il faut surveiller, qu'est-ce qu'il faut faire dans la course. Puis je pense qu'avec avec un tour à faire, j'étais comme ça se passe. Là. Fait que je faisais les maths en dedans de moi, puis j'ai juste resté sur tes patins à la fin. Et je vous garde un petit peu encore, Guillaume, parce qu'il faut qu'on parle du planchiste Elliott Grondin qui a triomphé pour une deuxième fois aujourd'hui en Géorgie. Elliott Grondin, qui l'an dernier, pour ses standards, avait connu une saison un peu en deçà des attentes, mais cette année, il est absolument incroyable sur le circuit de la Coupe du monde de snowboard cross. Il a remporté les 4 dernières Coupes du monde et aujourd'hui, en Géorgie, c'était une deuxième victoire en 2 jours. Une régularité comme on n'en voit presque jamais sur ce circuit. Il faut dire que c'est un sport où il y a beaucoup de détails que les meilleurs ne contrôlent pas. Il peut y avoir des accrochages avec d'autres compétiteurs. Mais cette saison, oui, Laurent, Elliott Grondin semble tout simplement intouchable, oui, en snowboard cross. Je vous laisse l'écouter après cette deuxième victoire en 2 jours. Et je l'ai montré à tout le monde que j'avais pris une coche sur les dernières années. Puis, c'est sûr, dans le passé, j'en gagnais une par année. Je n'avais fait plus que ça. Donc, j'en ai fait 2 après la Suisse, puis là, une troisième hier. Au bout de la ligne, je sais qu'est-ce que je dois faire. Puis si je fais les descentes que je sais que je suis capable de faire puis que je dois effectuer, ben normalement, je vais me ramasser en grande finale. Elliott Grondin, je vous le rappelle, qui sera au Mont-Sainte-Anne à la fin mars pour les finales de la Coupe du monde devant famille, amis, partisans locaux. On continue donc de suivre sa saison. Merci, Guillaume.